Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Yeah. You are Yahweh. You Yahweh. You are Yahweh. Yeah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Alpha. Acclame encore le Dieu vivant, le véritable maître des cieux et la terre, celui qui parle et la chose vient à l'existence, celui qui transforme la vie, bien aimé, celui qui prend le pauvre à la poussière, il le lave, bien aimé, et le fait asseoir à la table des grands, des rois. Acclame-le encore, ovationne-le encore. Acclame-le de tout ton corps, ton âme, ton esprit. Bien-aimé, des cris de joie, des cris de joie. Au nom puissant de Jésus. Des cris de joie, des acclamations. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, Santadé, tu vas étendre ta main vers ma personne. Et tu vas dire à Dieu, voici un homme qui est là-bas. On ne sait même pas où il a dormi. On ne sait même pas où il est quitté. Quelle est sa pensée? Père éternel, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons la comprendre. C'est pour cela, mets ton esprit en lui. Et parle-nous au travers de ton serviteur. Lève ta main vers moi et prie au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant. En ce jour, je bénis ton nom de ce que ta grâce depuis le ciel m'a localisé en ce jour. Père, pour faire du bien à ton peuple, à tes enfants, à tes fils. Seigneur, tout ce qui est cher, pensée unique, sois ôté de moi au nom puissant de Jésus. Que ton sang au nom de Jésus, de ma tête jusqu'à mes pieds, de mes cheveux jusqu'à mes orteils, Seigneur Père, viens éradiquer, enlève en moi toute pensée qui n'est point de toi au nom puissant de Jésus. Et mette l'esprit en moi afin de communiquer au Père ta parole, Jésus-Christ de Nazareth, ta pensée à ton peuple en ce jour au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas répéter cette prière après moi au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, en ce jour béni, ce jour glorieux, ce jour que tu as mis à part afin de venir communier avec ton esprit, je me tiens en ce jour dans ton sang et par ce sang précieux, viens éradiquer de mon cœur toute pensée, tout esprit qui ne vient pas de toi au nom de Jésus. Donne-moi ton esprit de compréhension, afin de comprendre cette parole, comme toi-même Dieu, tu le veux, afin de porter du fruit au nom puissant de Jésus, pour que je sois une bénédiction pour mes frères, pour la terre entière, pour le monde entier, et aussi pour ma famille, au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, acclame encore le Dieu vivant. Et bien-aimé, toi tu es devant, regarde à côté, regarde à droite, à gauche, aussi regarde derrière. Va dire un coucou céleste à ton frère, à ta soeur, au nom de Jésus. Et pendant ce temps, nos soeurs vont donner un cantique. Le frère Timothée, au nom de Jésus. Hey! Seigneur Jésus, sans toi, oh, je n'ai personne derrière moi. Sans toi, oh, oh, ah, zoubou, zoubou. Ah, Jésus, sans toi, oh, oh, je n'ai personne devant moi. Ah, sans toi, oh, oh, je n'ai personne. Ah, Seigneur Jésus, sans toi, oh, je n'ai personne. Ah, zoubou gospel, le zoubou gospel. Allons-y, mon pianiste. Souma, souma, souma. Aïe, 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 aïe. Allez,
Amen. Amen, amen. Bien aimé, qui se rappelle de cette date, 11 février? Qui se rappelle de la date? Bien aimé, Paul a dit à ses fils, il a dit, c'est vrai que encore, je ne suis pas avec vous, mais en esprit, je suis avec vous. Amen. Bien aimé, il n'est pas avec nous. Ils ne sont pas avec nous, mais en esprit, ils sont calés. Amen. Bien aimé, on va passer 5 à 10 minutes, bien aimé. On va louer le Seigneur. C'est 11 février. Mais tu ne sais pas. C'est une date. Amen, 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 amen. Calme-toi, champion. Ton temps arrive. Calme-toi. Ton temps arrive. Calme-toi. Amen. C'est 11 février, bien aimé. De l'année passée, c'était la date du mariage de notre père de la foi. Amen. Amen. Après, si, ça doit être l'anniversaire. Mais les mamblots ont fait bizarre, bizarre. On dit de jouer. On va mouler un peu. Bien aimé, 5 à 10 minutes pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Frère. Yeah, ils ont échoué. Oh, ils ont échoué.
dans la phase. Je danse que toi. Je danse que toi. Rime, 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 rime. Takataka, sois. Jerry, attendez d'abord. Attendez d'abord. Je sais que l'onction a monté. L'onction a monté. Donc chacun, on va libérer. On va libérer. On va libérer. Et puis, voilà, chacun va venir libérer. Va libérer. Yeah! Oh là là! Yeah! Oh là là! Yeah! Oh là là! Oh yo! Tuna, 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 voilà, dans la position, dans la position, dans la position. Il connaît son travail, il connaît son travail, il connaît son travail, il connaît son travail, il connaît son travail. Il connaît le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus. Il connaît ta 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 ta. C'est fini. Et c'est la danse des rois. 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 Je vais appeler tout à l'heure. Ah, Adonis a pris, elle a pris, elle a pris. Allons-y. Yeah, yeah, c'est la danse des rois. Yeah, yeah, c'est la danse des rois. Yeah, c'est la danse des rois. Yeah, c'est la danse des rois. Chouga, 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 chouga. Pied gauche, pied gauche, pied gauche, pied gauche, pied gauche. Roulez. Je suis le roi, je suis le roi, je suis le roi, je suis le roi, je suis le roi. Allez, roi! C'est le maplau, tout le monde va voir. Allez, allez, tout le monde, allez, rababa, chaque 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 je suis le roi, 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 je suis le roi. Pied gauche, pied gauche, pied gauche, pied gauche, pied gauche, pied gauche. Oh, ouais, je suis le roi. Tout à fait encore. Tiens, tiens. Sur ma plaque, sur ma plaque. Tout à fait. Tout à fait. Chimane. Allez, je suis le roi, 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 je suis le roi. Rababa Seke, Rababa Seke, l'onction est sur moi. Tremblez, 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 allez, tremblez, 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 soukaba. Chaud. Et que c'est ma bravo. C'est Rababama Chagara. Ya. Ya. Chant. Et ma bravo. Singabe. 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 Lelele. Soyez ta place, ovation à notre créateur, acclame encore le véritable, au nom puissant de Jésus, gloire soit rendue au puissant de Jacob, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Ils ont trouvé,
Amen. On est eux. Au nom de Jésus. Tu vas prendre ton cahier, ta Bible. Tu vas prendre ton cahier et puis ta Bible. Ce dimanche 11 février, le thème de ce jour, c'est comment faire fonctionner la foi. Amen. Tu as la foi, d'après toi, mais tu pries des choses. Tu fais tellement d'efforts, mais comme solution, rien, zéro. Amen. Comment faire fonctionner la foi? Mais d'abord, en grand 1, on va parler un peu de la foi. Donc parlons un peu de la foi. Avant de donner les éléments que tu dois appliquer. Pour que quand tu as foi en Dieu, ce que tu veux, Dieu t'accorde cela. Amen, amen. Donc, grand 1, comme je l'ai dit, parlons de la foi. Hébreux 11, 1 à 3, définis un peu la foi. Et regarde ta Bible. Et si un frère, une soeur a trouvé ce passage, prends le micro. Et on va lire ensemble au nom de Jésus. Hébreux 11, verset 1 à 3. Oui, amen. Ok. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Hébreux 11, verset 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous remercions, nous renaissons, que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen, amen. Amen. Ici, Hébreux 11, verset 1 à 3 nous dit ici que la foi... Amen. Je serai explicite brièvement. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Amen. Une chose invisible. Amen. Que par ta foi, t'amène cela, la chose devient visible. C'est ça, on dit la foi. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, quand tu lis la Bible, Abraham a regardé ce que son père adorait. Mais la Bible a déclaré que Abraham a vu que ces choses-là, c'était trop. Il a commencé à réfléchir, à penser. Il posait des questions à son père. C'est vrai que nous sommes plusieurs, mais on a un seul père. Amen. La Bible déclare que Abraham a commencé, tellement il a été curieux. Amen. La Bible déclare que Dieu l'a visité. Son papa était riche. Amen. Son père était puissant. Mais il attend une voix. Il dit, quitte ici. Et va dans un lieu que tu ne connais pas. Amen. Toi, tu es un endroit. Tu es quelque part. Tu es à l'aise. Et puis, on lui dit, quitte là-bas. Et puis, va dans un lieu où tu ne connais pas. Amen. Ce n'est pas la foi qui peut te faire ces choses-là. Amen. C'est à cause de la Bible déclare que Abraham est le père de la foi. Il était à l'aise. Il pouvait dire,
tu me parles, montre-moi ces choses. Non, Abraham n'a pas fait ça. Quand Dieu parlait, Abraham a vu qui c'était le Créateur. Abraham a commencé à obéir à ces choses. Il parlait, même par rapport à son enfant, sa femme. Tout. Quand Dieu parle, malgré que ça tardait, mais Abraham avait la foi. Et si au verset 2, la Bible nous dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quand tu lis la Bible, tous ceux qui ont marché par la foi là, même souvent quand tu pries là, tu dis je veux ressembler à lui là, faux vrai. Je veux ressembler à Abraham, à Daniel. Parce que quoi? Ils ont cru, ils ont eu la foi à leur Créateur. Amen. Donc ça, la Bible déclare que ceux-là, ils ont reçu un témoignage favorable. Dieu a mis favorable. Parce que tu peux avoir un témoignage défavorable. Amen. Mais Dieu dit, pour l'avoir possédé, ceux-là ont eu un témoignage favorable. Parce que la foi en Dieu, bien-aimé, ne donne jamais l'échec. Quand tu as foi en Dieu, tu as toujours les bonnes choses. Ce que tu veux, d'abord ce que Dieu veut pour toi. Comme on dit, les hommes ont des projets, mais ce sont les desseins de l'éternel qui s'accomplissent dans nos vies. Donc Dieu ne peut jamais avoir quelque chose de meilleur pour une personne. Et imagine que tu mets ta foi en ce Dieu-là. Elle déclare que ce Dieu-là, il fait tout pour te rendre heureux. Donc tous ceux qui ont posé cette foi, elle déclare qu'ils ont reçu un témoignage favorable. Amen, amen. Définissons un peu la foi. La foi, comme je l'ai dit, rend l'invisible invisible. La foi, c'est croire sans avoir vu. Tu crois, tu ne vois pas, mais tu crois. Mais au bout de cette croyance-là, elle déclare qu'il y a une suite favorable. Parce que ce n'est pas à n'importe qui t'a cru. Il y a des hommes qui croient au fétiche. Amen. Mais ce fétiche-là, ce qu'il veut là, ça leur donne. Faux vrai. Vous pensez mentir, ça donne. Amen. Mais la Bible dit, ça là, ce n'est pas éternel. Ça t'attire vers le malheur. Amen. Donc, il ne faut pas mettre ta foi en quelque chose qui est périssable. Mais mettre ta foi en quelqu'un qui est éternel. Amen. Crois sans avoir vu. Oh, on peut définir aussi comme croire aussi, c'est ne jamais douter. Jacques 1, verset 6. Quand tu crois, il ne faut jamais douter. C'est la foi aussi. Crois sans douter. Quand Dieu dit fais ça, tu as la confirmation que c'est lui. Fais automatiquement. Amen. C'est ça, la foi. Il dit, parle aux ossements. Il a dit Ézéchiel. Aux ossements. Il n'y a même pas cher dessus. Qui n'a pas foi à un Dieu, est-ce que tu peux faire ça? Il dit, parle aux ossements. C'est squelette. D'abord, il a entendu parler de son Dieu. Et après, lui-même, il est un témoignage même vivant. Et quand Dieu lui a dit ça, il n'a même pas regardé à gauche, à droite. Il déclare qu'il a obéi, il a eu foi en la voix de son Créateur et en son Dieu. Et quand il a parlé, la Bible déclare que ce qu'il voulait, ce que Dieu voulait au travers de lui, Dieu accomplit cela. Parce qu'il avait foi en son Dieu. Amen. Jacques 1, verset 6. Il dit que c'est ne jamais douter. La foi aussi, c'est croire au commandement de Dieu. Ça, c'est la foi. Amen. Dieu dit fait telle chose. Il ne faut pas faire telle chose. Amen. Il ne faut jamais condamner ton prochain. Il dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Amen. Dieu te dit ça. Mais tu regardes la parole. C'est une simple parole. Quand tu crois, Dieu dit que tu as la foi. La foi en Dieu aussi, c'est croire au commandement de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui croit au commandement de Dieu. Hein. Nous qui sommes ici là. D'autres viennent parce qu'on doit venir à l'église. Amen. D'autres viennent parce qu'ils savent que ce jour est un jour béni. Que Dieu a mis ce jour à part. La sanctifier ce jour. Pour qu'on vienne communier avec lui. Amen. Donc, lui qui vient avec un tel esprit, forcé. Même si souvent il glisse un peu. Parce qu'il a la foi. Parce qu'il a cru en cette parole. Comment on peut dire six jours? Faut travailler 7 jours, faut te reposer. Amen. Et tu viens prier, les choses descendent, les gars, tu es là. Pourquoi tu crois en ça? Amen.
c'est parce que tu as une mesure de foi. Amen. Donc la foi, c'est aussi croire au commandement de Dieu. La foi aussi, c'est l'obéissance à Dieu. Actes 4, verset 19. On va lire ce passage, 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez si est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Amen. Donc quand tu as foi, tu obéis à Dieu. Les hommes peuvent venir pour te dire telle chose, il ne faut pas faire. Mais Dieu te dit, fais telle chose. Amen. Donc quand tu as foi en ton Dieu là, tu es obligé d'obéir à ton Créateur. Amen. Toute la terre peut être pour toi. Mais si Dieu est contre toi, frère, ton enfer est clair. Mais quand toute la terre est contre toi, que Dieu est avec toi, tu as tout gagné. Amen. Donc quand tu crois, tu as la foi, c'est que tu obéis à ton Créateur. Tu vas dire que tu as la foi et tu n'obéis pas à Dieu. Puis a dit que quoi? Jugez-en vous les frères, vous autorité. Vous-même jugez, voyez, si de vous obéir ou bien d'obéir à Dieu. Amen. Amen. Une parole vient. Elle déclare que Dieu a obéi des serviteurs de Dieu. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et autres. Amen. Mais la Bible déclare qu'il y a une catégorie là, les prophètes. Quand tu lis la Bible, véritablement, quand on dit un prophète même là, prophète, c'est une épée à double tranchant. C'est ça, un prophète. Amen. Un prophète, c'est une épée à double tranchant. Au lieu tu vois, il cause plein de toi. Demain, tu vois, il t'appelle. Papa. C'est ce que Dieu dit, il fait. Amen. Donc, il ne peut pas obéir aux hommes. Amen. Il peut pas obéir à Dieu. Dieu dit telle chose. Amen. Notre père dans la foi, souvent, il dit, il vient. Il dit, tel serviteur de Dieu. Dieu te dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ce n'est pas quelqu'un, parce qu'il est rassasié, il s'est levé un bon matin, il vient, il parle. Amen. Lui-même, souvent, il est là. Dieu lui dit, il dit à Dieu, prends autre personne. Mais Dieu dit, c'est toi qui as choisi, va et parle. Souvent aussi, vous voyez, il vient parler, il donne une prophétie, ou bien il parle d'un pasteur, un serviteur de Dieu. Souvent, ça peut faire des années avant qu'il vienne parler. Amen. Donc, il préfère obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Donc, quand tu obéis à Dieu, c'est que tu as la foi en Dieu. Quel que soit ce qui va arriver, la foi que tu mènes à Dieu, Dieu va toujours te récompenser. Amen. Donc, la foi en Dieu, c'est aussi... La foi aussi, c'est un don de Dieu. Un don. Amen. Comme Abraham. C'est un don. Dieu l'a donné ce don. On va lire Éphésiens 2, verset 8. Il pouvait suivre son père. Amen. Il pouvait suivre son papa. Mais il a réfléchi. Il a regardé. Il a comparé. Mais il a vu. Souvent, il y a des choses. Il ne faut pas te glorifier. Mais il ne faut pas soulever tes épaules pour dire non que moi je suis fort dans telle chose. Non, c'est un don que Dieu t'a fait. La foi aussi est un don. Éphésiens 2, verset 8. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen, amen. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. C'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de toi, mais c'est un don. Donc la foi, c'est un don de Dieu. Amen. Donc si tu as la foi, il ne vient pas la foi. Tu as une mesure de grâce de la part de Dieu. Il ne faut pas t'en glorifier. Parce que c'est un don. Amen. Donc si tu as ce don, dis merci à Dieu. Amen. On continue. La foi nous amène à plaire à Dieu. Quand tu as la foi, forcément tu dois plaire à Dieu. Il y a des choses, tu regardes, tout le monde dit, on ne peut pas. Tu regardes quand tu dis, on peut, au nom de Jésus. Amen. On tourne jusqu'à pour toi, c'est ça.
On va. On dit, ah, on ne peut pas rentrer. Mais toi, tu es là, tu dis, on va rentrer. Tout le monde dit, nous tous, on est partis, on ne peut pas gagner. Toi, tu es comment? Tu dis, moi, je sais que Jésus va me donner sur la petite voie. Amen. Quand tu es comme ça, forcément, tu dois plaire à Dieu. Parce que Dieu est en haut et puis il est content. Il dit, oui, mon fils croit en moi, il a la foi en moi. Donc, quand tu as la foi en Dieu, forcément, tu as plaire à Dieu. Ce n'est pas tout le monde, comme je l'ai dit, on vient à l'église, ce n'est pas tout le monde qui a la foi. Tout à l'heure, il y a des choses qui vont se passer. Il est découragé ou bien elle est découragée. Souvent, ça peut te prendre. Le découragement peut venir. Amen. Mais après, tu te rends compte et puis tu refoules le découragement. Et puis tu dis non, je ne suis pas appelé au découragement. Et puis toi-même là, tu commences à te fortifier. C'est ça, un enfant de Dieu. Amen. Comme je l'ai dit, la foi nous amène à plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, verset 6. Amen. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le numérateur. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Amen. Donc, si tu n'as pas la foi, il ne faut pas tirer, on va se blaguer. Tu viens à l'église parce qu'on t'a tiré, à t'es venu remplir les chaises. Tu ne plais pas à Dieu, il ne faut pas se mentir. Amen. Amen. Si tu as la foi, Dieu en haut, tout ce que tu fais, Dieu te regarde. Il est obligé de veiller sur toi. Parce que tu as regardé au fétiche de tes parents. Amen. Au fétiche de ta famille. Amen. Ta famille a deux religions. D'autres sont musulmans, d'autres sont féticheurs. Mais tu as regardé, tu as tourné. Jusqu'à dire non, moi je vais accepter Jésus. Amen. Et puis tu commences à faire ces choses. Parce que tu as eu la foi en ce Dieu. Tu sais que c'est le véritable. Donc forcément, amen, tu vas plaire à Dieu. Tu vas plaire à Dieu forcément. Donc quand tu as la foi en ton Créateur, forcément, tu es agréable aux yeux de Dieu. Amen. On va passer encore. On va parler encore de la foi. La foi nous donne le triomphe. Quand tu as la foi, tu triomphes. La foi nous donne le triomphe. Jean 5, verset 4. La foi nous donne le triomphe. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc quand tu as la foi en Dieu, le monde ne peut rien contre toi. Tu triomphes. Tout ce qui est lié au monde ne peut point te résister. Parce que tu triomphes sur eux. Amen. Donc la foi te fait triompher sur le monde. Donc la foi te donne le triomphe. Donc tu veux triompher, il faut avoir la foi. Amen. Comme le thème de ce passage, comment faire fonctionner la foi? Je te dis que tu as la foi, peut-être. Mais tu pries, tu jeûnes, beaucoup d'efforts, mais sans rien. Amen. Et Dieu vient te donner quelques éléments en ce jour pour faire fonctionner ta foi. Maintenant, quand tu vas regarder à ça, tu vas prier. Dieu maintenant va te répondre. Amen. Donc avant cela, comme je l'ai dit, on va parler un peu de la foi. La foi nous donne le triomphe. 1 Jean 5, 4. Si tu veux dominer, régner dans ce monde, avoir des victoires surnaturelles, des opérations surnaturelles, c'est la foi qui te faut. Tu veux triompher, avoir des victoires surnaturelles. On a dit cette année 2024, c'est l'année des opérations surnaturelles. Amen. Jusqu'à ce que l'année finisse, on va témoigner, l'église va témoigner, chacun doit témoigner.
Amen. Des grâces, des bénédictions, des opérations divines de Dieu dans sa vie. Amen. Mais comme c'est le thème, tu viens, tu n'as même pas la foi. Tu dis, comme l'église dit tant, moi aussi je viens. Mon frère, on va témoigner. Tu n'as pas témoigné aussi. Chaque jour tu as venu puis tu as parti. Si tu veux témoigner, il faut avoir la foi. Si tu veux avoir des victoires surnaturelles, frère, il faut avoir la foi. Tu veux avoir les opérations surnaturelles, il faut avoir la foi. Et je dis en ce jour, si tu as mis la foi à un homme, il faut te détromper. Même à ton mari. La Bible est claire. Malheur, un homme se confie à une personne. Dieu même arrive loin, il dit maudit soit. Dieu même te maudit. Toi, tu crois à une personne. Toi, tu mets ta foi à un homme. Il ne faut jamais te confier à un homme. T'obéis. Dieu dit à toute chose, fais parvenir. Pour qu'elle parle. Il n'a pas dit, il faut venir voir quelqu'un, lui expliquer la chose d'abord. Non. Dans toute chose, tu es mal, tu es toute chose. Toi, d'abord, Seigneur, je suis malade, demande pardon parce qu'il y a péché. Tu vas dire non, tu n'as pas péché. Seigneur, tu dis quand Dieu va te montrer, tu fais, c'est fini. Amen. Il ne faut pas te confier à une personne. Toute la foi, quand tu crois en quelqu'un, la personne va te décourager. C'est biblique, c'est normal. Une année, je me suis posé une question. Il avait un frère. On est ensemble. Presque toute notre génération, 90% sont des serviteurs de Dieu. Il est venu, il y a longtemps, on a causé. Il partait à l'église. Tellement, il aimait d'abord Dieu. Aussi, il aimait son serviteur. Amen. C'est biblique, hein? Son amour pour Dieu, arrivé un moment, ça avait commencé à baisser. Les responsables de l'église ont commencé à l'aimer. Amen. Parce qu'il faisait des choses agréables. Arrivé un moment, partout qu'on cause, c'est de son pasteur seulement lui parle. Ça fait longtemps, hein. Lui l'a connu, peut dire, on partait à l'église, mais lui, il était dedans avant nous. Quand on parle un peu seulement, il est son pasteur, il parle. C'est vrai qu'il va dire, donc, un jour, on causait. Je voulais parler, en même temps, il y a un autre qui a parlé. Ah! Toi, toujours, dans un groupe là, il y a toujours quelqu'un qui a crâne brûlé. Lui, plus, il ne parle l'étranger. Quand ça vient en même temps, lui pète. Toujours quand on parle là, c'est ton pasteur même les dieux bien. Amen. Après, nous on dit, non, dis pas ça, c'est pasteur. Mais après, on a compris des choses. Ça arrive un moment, Dieu a commencé à l'éprouver dans certaines choses. Et croyant en Dieu, hein, mais arrivé un moment, c'est comme s'il a commencé à mettre Jean trop, l'homme de Dieu, à la place de Dieu. C'est une chose là, il ne faut jamais faire ça. Jamais. C'est normal, faut aimer, c'est normal. Toi l'aimer. C'est normal d'aimer ton père dans la foi. Un pasteur, un responsable. D'aimer un serviteur de Dieu. Mais tu l'aimes jusqu'à ce que, souvent même là, quand il n'est pas là même là, tu ne peux pas venir prier. Nous tous on a fait ça. Quand on vient à l'église même là, c'est pas lui qui prêche, mais quelqu'un d'autre. On est là, bizarre, bizarre. Amen. Tout ça nous est rattrapé. Donc j'ouvre cette parenthèse pour donner conseil à quelqu'un. Tu peux aimer la personne, mais il ne faut jamais mettre l'amour de la personne au-dessous de l'amour de Dieu. Sinon Dieu va t'éprouver. Hein. Je sais de quoi je te parle. Et ce frère, aujourd'hui, le frère qui était devant nous, c'est nous, on donne des conseils. Mais comme il y a longtemps, on s'est vu. Ce frère est découragé. Parce que Dieu a commencé à l'éprouver par le canal de son père dans la foi et les responsables. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Les jaloux, hein?
tu es très très jaloux. Tu viens, tu aimes mon affaire, point, c'est fini. C'est Dieu. Il faut adorer plus, faut aimer plus. Amen. Si tu t'es blagué, je ne te mens pas. Un jour, on l'a vu dans la rue il y a longtemps. Il est devenu bien, quelqu'un, il parle seul dans la rue. Amen. C'est le preuve de Dieu. S'il a su relever sa tête, ça serait un témoignage pour lui. Donc, c'est un témoignage aussi pour toi. Tu viens à l'église, aime tes frères, aime tes soeurs, aime ton père de la foi. C'est normal, c'est biblique. La Bible nous demande cela. Mais il faut pas, l'amour là va dépasser l'amour de Dieu, jamais. Amen. On passe à la parole. Comme je l'ai dit, tu veux dominer, régner dans ce monde, avoir des victoires surnaturelles, des opérations surnaturelles, il faut avoir la foi. Nombre 13, verset 29 à 33. On va lire ce passage. Et quelqu'un d'autre aussi peut apprêter. Nombre 14, verset 1 à 3, verset 6 à 8. Nombre 13, verset 29 à 33. Alléluia. Amen. Les Amalécites habitaient la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient alliés, allés avec lui, dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur comme des sauterelles. Amen, amen. On va encore au nombre 14, 1, pour comprendre. Quand on finit de lire, je vais expliquer. Nombre 14. Verset 1 à 3, je lis. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Amen. Alors verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Joseph, fils de Noun, Caleb, fils de Jephthé, Jéphunné, déchirait leurs vêtements et parlait ainsi à toute l'assemblée. Les enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ce pays. Et nous dominera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Ici, Dieu, par le biais de Moïse, a dit à Josué, amen, ils ont pris quelques éléments, aller explorer un peuple qu'on doit aller combattre. Amen. La Bible dit qu'ils sont partis, ils ont vu des géants. Imagine. Quelqu'un à ta taille deux fois. Un exemple. Tu es Éthiopie. Tu t'en vas explorer. C'est Russie. Tu vas devant toi. Est-ce que tu as cœur pour aller combattre Russie? Amen. Quand tu les vois, même ton cœur est mort. Amen. Mais là, des craqués, ils ont eu peur. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Les hommes comme ça, là, on va partir les combattre. Amen. Mais là, des craqués, il avait une génération
de Josué et puis Caleb, qui étaient des hommes exceptés, des hommes mis à part. Amen. Bien-aimés, ils ont eu foi en leur Dieu. Parce que quand ils partaient avec Moïse, quand Dieu leur disait telle chose, amen, Dieu leur donnait ce qu'ils voulaient, la victoire. Mais quand ils sont partis, les hommes ont commencé à pleurer, ont commencé à murmurer. Donc tu veux que quelqu'un mourisse ici. Si on mourait en Égypte, c'était mieux. Amen. Il y a déclaré que ces deux personnes-là, ils sont faillis contre le peuple. Pourquoi vous murmurez? Je sais que notre Dieu là, il est avec nous. Il va nous donner la victoire. Amen. La suite de la prière et de la parole de Dieu, il a déclaré que ces hommes, Josué et Caleb, ils ont pris des personnes avec eux. Ils sont allés combattre ce peuple. Ils sont allés combattre ce peuple. Et ce peuple, Dieu leur a donné la victoire. Donc, c'est te dit quoi en ce jour? Victoire surnaturelle là, c'est pas quelque chose de facile. Hein? Tu veux quelque chose, quand tu veux témoigner, tu as fait quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Tu penses que c'est un bling, tu viens matin, soir, Dieu. Non! Tu as passé par quelque part, ton cœur va faire boum. Mais quand tu résistes, et puis tu te donnes cette victoire. Amen. Donc, quand il va la foi, c'est la foi. Ça vient, tu peux, tu t'en vas quelque part. Et un jour, l'homme nous donne un conseil ici. Il dit, tu vas évangéliser. Un jour, tu rentres dans une maison. Quelqu'un, tu vois, il est sourd, on ne veut prier pour lui. Ton cœur est mort, tu n'as jamais prié pour sourd ou bien pour aveugle. Et quand tu rentres net là, il ne faut pas ton cœur va mourir même. Dieu sait pourquoi tu es rentré là-bas. Donc quand tu as foi en ton Créateur, ton Dieu, tu dois avoir les victoires surnaturelles. Josué et puis son compagnon, ils n'ont pas eu peur. Ils ont eu foi en leur Dieu. J'ai donné témoignage de qui? D'un ami ici. Prenons les hommes de Josué et puis son compagnon, Caleb. Amen. Elle veut dire que quoi? Ils étaient là pour Moïse. Ils ont obéi à Moïse. Ils ont respecté Moïse. Tout ce que Moïse disait, ils faisaient. Mais ils n'ont pas aimé Moïse que Dieu. Amen. Ils n'ont pas dit par le bien, quand ils parlaient là, ils n'ont pas dit par le bien de Moïse, Dieu m'a donné. Ils disent, non, Dieu nous donnera la victoire. Mettez Dieu devant. Amen. Donc tu as la foi, quand tu as la foi là, tu triomphes de tout. Et Dieu te donne des victoires surnaturelles. Amen, amen. La foi en Dieu nous justifie. Romains 5, verset 1. Personne ne peut t'accuser. Tu as un témoignage, un vilain témoignage, un témoignage passé. Quand tu passes, oh, lui-là, mais c'est qui? Mais là, déclare que quand tu as foi en Dieu, lui te justifie. Et donc, il dit ce qu'il veut. Mais tu n'as pas cru un homme. Tu as cru en Dieu. Donc Dieu va te justifier en ayant la foi en lui. Romains 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous y glorifierons dans l'espérance. Romains 5, 1. Oui, c'est ça. Ah, ok. Donc, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu es justifié, tu as la paix avec Dieu. Tu as été brigand avant, volé avant. Tu as géré les visites, tu as géré tout. Tu as volé tout. Amen. Quand tu viens à Dieu, Dieu enlève cela. Avec quelqu'un qui sait. Et puis, en plus encore, tu crois en son nom. Tu crois en lui. Donc, quand tu as la foi en Dieu, Dieu te justifie. Et puis, tu as la paix avec lui. Malgré que tu as tué, souvent tu es là. Avant de le connaître, tu as fait les bêtises. Et souvent, c'est comme si c'est en train de te hanter. Mais quand tu viens à Christ, tu as la foi en Dieu. Dieu dit que quoi? Tu as la paix. Parce que ta foi en lui, te justifie. Et puis tu as la paix. Dieu te donne ta paix. Amen. Donc il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, ça fait beaucoup de choses dans ta vie.
La foi, ici j'ai écrit, nous donne l'espérance et les promesses de Dieu. Dieu peut te dire des choses. Mon fils, ma servante, telle chose je vais faire pour toi. Mais qu'est-ce qui fait que tu crois? Qu'est-ce qui fait que tu as l'attente de ces choses? Tu as la foi en Dieu. Je peux te dire, il y a beaucoup de personnes, te dire, un jour, deux jours, pouf, voilà, même c'est parti. Non. Tu as la foi. Quand tu as la foi en Dieu, quand tu dis telle chose, tu attends les promesses de Dieu. Amen. On va lire le passage de Romains 4, 19, 21. Et sans faillir dans la foi, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Au sujet de la promesse de Dieu. Là, il déclare quoi? Il ne douta point. Parce que Dieu l'a promis quelque chose. Faux vrai. Il a connu ça il y a longtemps. Mais il dit, je vais te donner un enfant. Les années passent. Là, il déclare qu'il croyait seulement. Il ne douta point. Amen. Il regardait seulement. Il s'en va, il prie. Il s'en va. Les jours passent. Il regarde un peu. C'est comment? Tu te vois encore. Là, il déclare qu'il n'a point douté. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Amen. Parce qu'il a eu la foi en Dieu. Donc tu veux que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. C'est la foi. Amen. Donc la foi en Dieu fait que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Quand tu as des visions, des rêves, ça t'aide. Dieu dit garde la foi. Ici là, il n'a point faibli. Malgré les épreuves, malgré ce qui l'est arrivé, elle déclare qu'il a été constant jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est ce que Dieu a voulu, Dieu a promis pour lui, ça arrive dans sa vie. Donc quand tu as la foi, les promesses de Dieu dans ta vie vont s'accomplir. Amen. La foi opère l'extraordinaire. Matthieu 17, 20. La foi opère l'extraordinaire. Matthieu 17, 20. Matthieu 21, verset 21. Matthieu 17. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévier, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Impossible. Amen. Donc, Dieu dit, si tu as la foi, tu diras une montagne, transporte-toi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Donc quelque chose même que personne ne pense, voit cela possible, Dieu dit cela devient possible. Amen. C'est la foi qui fait ça. Par la foi, tu peux parler à un mort et le mort revient à la vie. Par la foi, tu peux parler à une situation qui est défavorable, elle devient favorable.
Amen. C'est la foi qui fait ça. La confiance en Dieu émane de la foi. Donc, quand il y a confiance en Dieu, c'est que c'est la foi qui fait ça. Amen. 2 Rois 2, verset 1 à 3 et 2 Rois 2, verset 8. 2 Rois 2, verset 5 et 2 Rois chapitre 5, verset 1, 3 et 8. 2 Rois 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissant de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme vaillant, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Il avait amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. D'abord, parlons de ça. C'est une petite fille. Amen. C'est un grand homme de l'armée, d'une nation. Elle dit que ce grand homme était lépreux. Mais c'est comme s'ils sont partis faire guerre quelque part en Israël et ils ont pris une petite fille qui est partie avec eux. Mais cette petite fille-là, elle est en Israël, le commandement-là, elle connaît. Amen. Elle connaît peu son Dieu. Amen. Mais malgré qu'elle est partie là-bas, elle n'a pas suivi le Dieu. Elle a gardé le commandement de son Dieu. Mais la Bible déclare qu'elle a dit à la femme de ce monsieur, de Naaman, que si mon Seigneur pouvait rencontrer, parce qu'elle connaît le prophète de Dieu. Amen. C'est ça, la confiance. La petite fille, elle avait confiance en Dieu. Elle a dit, si le monsieur pouvait voir le prophète. Elle dit, ça la même là, c'est petit. Elle a parlé. Amen. Elle déclare que, alors verset 8. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Amen. Ici, avant d'arriver au verset 8, c'est quand la petite fille a dit ça, le roi de là-bas envoyer une lettre en Israël disant que on dit à quelqu'un qui peut guérir cette maladie. Amen. C'était comme cette puissance-là était plus forte qu'Israël. Parce que la Bible, ici, la Bible dit, si tu as vu que Israël était faible ici, c'est qu'Israël a désobéi à Dieu. Quand tu lis la Bible, tu vas comprendre. Quand le roi envoyait la lettre au roi d'Israël, a déclaré quoi? Il avait peur, en fait. Il avait peur. Il a dit, c'est que toi-même là, tu veux nous tuer. Ça là, qui peut guérir ça ici? Et Élisée a appris ça. Amen. Il est parti, il dit, roi, pourquoi déchirer tes vêtements? Pourquoi ton cœur est mort? Il faut le laisser. Amen. Il y a quelqu'un ici. Amen. Il y a un serviteur de Dieu ici. Il dit, laisse-les venir. C'est parce que Élisée, de un, il a pris, il avait confiance en Dieu. Elle a parlé. Et c'est pour être parti sur le prophète. Confiance. La foi, c'est la foi. Et la foi, en disant la foi, elle donne la confiance. Et aussi, Élisée, la confiance que son vieux mourait est lui. Amen. La confiance en ta main. Et par la suite, on a vu, Naaman a été guéri. Donc la foi. La confiance émane de la foi. Donc la foi là, donne la confiance en Dieu. Amen. Donc quand tu vois que tu n'as pas confiance en Dieu, tu dis que tu as douce que tu n'as pas la foi. Amen. Donc il faut avoir la foi. Ça te donne aussi la confiance en Dieu. La foi fait de nous des fils de Dieu. On va s'arrêter là pour
Le message n'est pas fini. Hein. La foi fait de nous les fils de Dieu. Amen. On va prendre 2 à 3. D'abord, Zilouman, avant de passer au point 2. Donc, il dit que quoi? La foi fait de nous des fils de Dieu. Galates 3, verset 26. Galates 3. Verset 6. Quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Par la foi. Amen. Quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc quand tu as la foi en Dieu, c'est que tu es fils de Dieu. Amen. Donc tu veux être enfant de Dieu, non? Quand tu pries, dis Seigneur, je suis ton enfant, je suis ta fille, non? Il faut avoir la foi en Dieu. Amen. Tu seras enfant de Dieu. Amen. On passe à un autre point encore. La foi fait fuir la peur. Tu es peureux. La foi donne le courage. Quand tu as foi en Dieu, la peur là s'en va. Donc si tu es un chrétien et que tu as encore peur, c'est que tu n'as pas la foi. Amen. Genèse 14, verset 14 à 16, acte 3, verset 6. On prend acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Et c'est Pierre. On a vu, c'est Pierre que Jésus a donné les clés. Mais la Bible déclare que quoi? Que quand on a arrêté Jésus, qui a fui? Qui a régné Jésus? C'est Pierre. Parce qu'il avait quoi? Il avait peur de mourir, non? Il avait peur. Amen. Lorsqu'il a été transformé, c'est vrai, souvent tu veux être avec quelqu'un. Peut-être un homme de Dieu, authentique. Mais arrivé un moment, on pense que peut-être tu as la foi à être comme ça. Mais c'est l'absence. Peut-être de cet homme de Dieu. Tu vas montrer que si vraiment tu as la foi en Dieu. Amen. C'est un peu comme Pierre. Quand Jésus est monté, quand j'ai reçu la puissance, la Bible déclare que Pierre n'avait plus peur. Alors que Pierre était un peureux. Malgré qu'il a suivi Jésus, il a vu ce que Jésus a fait. Amen. Parce que Pierre avait foi. Quand il a vu ça, Pierre a commencé à avoir foi en Christ. Et la peur a disparu. Donc si tu es chrétien et que tu as encore peur, c'est que frère, il faut bien voir clair dedans dans ton chrétien, il y a là, comme on le dit. Amen. C'est que tu n'as pas la foi. Si tu as peur, la peur même n'est pas de Dieu. Donc il ne faut pas avoir peur. Amen. Ici, j'ai dit, la foi, bon, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu et l'application de la parole de Dieu. Je vais expliquer un peu. La foi, c'est quoi ici? La foi, c'est ta manière de prier. Quand tu as la foi là, n'est plus comme les chrétiens Chanel. Amen. On prend d'abord le passage, Exode 22, verset 18. Quand tu as la foi, ta manière de prier n'est plus Chanel. Un exemple. Tu vois que tu as beaucoup combattu. Et Seigneur. Hey, pardon, j'ai combattu, aide-moi. Non, quand tu as la foi là, prends la Bible et puis prie. Tu dis, Seigneur, tu as dit, ils viendront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Prends la Bible, c'est ça la foi. La foi, c'est l'authenticité. On ne peut plus, il fait telle chose. Un exemple.
notre père dans la foi. C'est à Dieu de montrer qu'ils ont oint. Amen. Comprenez le psaume 105, verset 15. La Bible dit, ne touchez pas à mes oint. Ne faites pas du mal à mes prophètes. En priant là, il ne faut pas dire, Seigneur, pardon. Non, on ne fait pas ça. Quand tu as la foi, mais prends la parole de Dieu. Dis, Seigneur, la parole déclare que tu fais juste la parole pour l'accomplir. Donc tu as dit, tes oint, on ne les touche pas. On ne fait pas du mal. Maintenant, assis. C'est comme ça, quand tu as la foi, c'est comme ça. Tu dois prier maintenant. Tu prends la parole, tu es malade, non? Prends la Bible. Pas de maladie, Seigneur. Tu as dit, si quelqu'un est malade qui vient, non, on va prier pour lui, il sera guéri. Si je suis venu, en prier pour moi, il sera guéri. Amen. Tu n'es pas obligé, il va être ancien là, tu n'es pas obligé, tu lis la parole à Dieu, on te oint Dieu là, tu seras guéri. C'est ça, quand tu as la foi en Dieu là. Tu ne peux pas faire des, Seigneur, pardonne-moi, non. Prie avec la parole. La parole est une puissance. Donc c'est ça, la foi. Amen. La foi attire. Les anges de Dieu vers nous. Quand tu as foi en Dieu, ça attire les grâces vers toi. Amen. Les anges d'Abraham, Genèse 18, 1 à 3, et Genèse 18, verset 19 et 16 à 19. Je vais expliquer. Il avait foi en Dieu. Dieu lui parlait. La Bible déclare quoi? Il n'a point faibli. Abraham a gardé la foi. Jusqu'à ce que les anges, Dieu même est venu le visiter physiquement. Donc quand tu as la foi en Dieu, souvent Dieu te dit telle chose, tu as compris. À un moment, un jour, quelqu'un rentre dans ta maison, on dit quoi, ma servante, ça va? Tu causes avec la personne. Et la personne te dit, ce que j'ai dit, j'ai fait pour toi, je vais le faire. Et puis un coup, la personne sort, ou bien souvent, tu vas être découragé. Et puis quelqu'un vient, tu causes avec la personne, tu l'as dit, tu vas plus la personne. Quand tu as la foi, comme il dit, souvent ça peut venir du couragement parce que tu es humain. Amen. Mais il ne faut pas faiblir. Pas tomber. C'est ça, Dieu ne veut pas. Tu te relèves tout seul. Tu dis, Seigneur, jamais je vais me décourager. Jamais je vais tomber. Et tu vas, Dieu va te visiter. Les anges, Dieu va envoyer des anges. Souvent même là, Dieu va te visiter. Même souvent, tu prends ton portable, t'as regardé une prédication. Moi, Dieu m'a visité beaucoup par ça. Souvent, il y a les choses, il y a les questions, les choses. Quand il va sur Facebook, ou sur TikTok, moi qui vais sur TikTok, où on fait une recherche là, t'as beaucoup de prédications, adoration. Arrivé un moment, quand tu as parti dessus là, tu as pu voir les pipes, les bénéfices, les fesses là. Ce sont les prédications, les loin, sûrement. Une fois que tu vois, c'est ça qui a venu beaucoup. Donc, quand j'ai fait ça, souvent, je tombe sur une prédication ou bien. Facebook. Et puis peut-être, j'ai envie de murmurer, mais il y a quelque chose, je suis là, ça m'embête. Tu vois, pendant que l'homme de Dieu est prêché, c'est ça. Ou bien, Dieu aussi me parlait beaucoup quand j'étais à la maison, parce qu'on est. Souvent je murmure, ou bien souvent je pose la question. Souvent même un pasteur. Et puis quand je viens, l'homme de Dieu prêche, quand il parle de ce pasteur, et puis il dit à Dieu, quand. T'as compris? Amen. C'est ça. Quand tu as la foi en Dieu là, Dieu va toujours t'éviter. Tu vois, quand le découragement va venir là, Dieu va te reconforter seul. Mais Dieu va prendre des personnes. Dieu ne va pas t'abandonner en tout cas. Amen. Donc quand la foi attire les anges de Dieu vers toi, la foi nous mène à payer nos offrandes et nos dîmes. Il y a des personnes qui disent on ne paye pas dîmes dans l'église. Pourquoi on se mentit, hein? Matthieu 7, 21 les attend. Matthieu 7, 21 les attend. Tu as fait miracle, comme Dieu le dit, c'est un don. C'est le papa des dons. Quand tu as foi en Dieu, là, dîme, tu vas payer. Parce que tu sais, tu connais l'importance de la dîme. Les offrandes, les actions de grâce. Tu connais l'importance. Quand tu as foi en Dieu, il ne faut pas se mentir. Le qui dit, ne paye pas dîme, c'est que tu n'as pas foi en Dieu. Peut-être comme on a dit, église là, on est venu voir. Il y a beaucoup, comme les gens disent, il y a des business, d'autres viennent ici, c'est ça. Mais si tu as la foi, tu as payé ta dîme. Paye ton offrande. Donc la foi de Dieu nous amène à payer la dîme. Amen. Genèse 14, 17 à 20. On va passer au grand 2. Le thème, c'est comment
faire fonctionner la foi et les éléments, grandir les éléments pour faire fonctionner cette foi. J'ai parlé beaucoup de la foi. Amen. Mais les éléments pour faire fonctionner cette foi. Comme je l'ai dit, tu te dis que tu as la foi. Tu pries depuis là, tu fais des choses. Tu vois, ça n'arrive pas. En un, grandir les éléments pour faire marcher, pour faire fonctionner la foi. Un, l'audace. Les éléments pour faire fonctionner la foi. Un, l'audace. L'audace, c'est... faut oser. Quand on dit quelqu'un est audacieux, là, cette personne-là, chaque jour, la personne tente, la personne ose. C'est ça, l'audace. Josué 10, 12, 13. 12 à 13. Josué, chapitre 10, verset 12 à 13. Quelqu'un a trouvé? Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux mains, aux enfants d'Israël, et dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne hâta point de se coucher presque tout un jour. Amen. Josué, ça veut dire combattre. Le peuple se sont rassemblés contre les enfants d'Israël. La déclaration qui était Josué qui était à la tête. Et quand les gars combattaient, ils étaient nombreux. Mais arrivé un moment, le soleil avait se couché. Alors que s'il fait nuit, ça ne les arrange pas. Les hommes-là vont les gagner. L'audace de Josué, en tout cas qu'il a parlé au soleil. Il a parlé aussi à la lune. Il a déclaré que ça s'est arrêté. Et Josué a combattu quand il a gagné. Cela est parti se coucher. Qui peut oser celui-là? Amen. La foi. T'as vu, non? Là, la foi. Ton frère marcher, ta foi, dis-lui, t'as la foi là. Faut oser. Faut tenter, comme le dit. Faut tenter. Car celui qui est avec toi là, il tape jamais pour toi, comme le dit. Toi, chaque fois qu'il y a quelque chose là, faut pas reculer. Amen. Donc, les éléments pour faire marcher la foi, c'est l'audace. Deuxième, la patience. Jacques 5, verset 7. Il faut être patient en toutes choses. Amen. Dieu a parlé à Abraham. Mais Abraham ne s'est pas précipité. Hein? Abraham ne s'est pas précipité. La Bible déclare qu'Abraham a marché selon les ordres, les pas de l'Éternel. Tout à l'heure, il dit que quoi? L'homme peut avoir des projets, tout ce que tu veux là. Mais c'est pour les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent dans ta vie. Mais Abraham a été patient. Amen. Un peu comme Moïse. Dieu lui parle. Il va, tu viens. Il vient encore. Va, il vient. Mais il a été patient à la délivrance d'Israël. Donc tu veux que ta foi se manifeste. Pas être pressé. Tu as pris deux jours, trois jours, tu ne vois pas. Tu es là. Non. Tu ne peux jamais manifester la foi. Jamais.
Aujourd'hui, tu es pressé. Tu peux, la foi dans ta vie ne peut pas fonctionner. Donc, sois patient. Marche au rythme de l'Éternel. Tu ne peux jamais marcher à ton rythme. Tu peux marcher au rythme de quelqu'un. Parce qu'il a fait un an, deux ans, il a obtenu ça. Tu es même chose avec lui. Ce n'est pas la même chose. Dis à Dieu, je veux marcher à ton rythme. Et c'est la patience. Il y a des choses, des personnes ont eu. En cinq ans. Amen. Mais toi, Dieu peut attendre. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Mais quand Dieu va te donner cela-là, ça sera plus même que la personne. L'année que la personne a eue, là, même en total, jusqu'à ton année même là, ça ne peut pas arriver. C'est Dieu qui fait cela. Donc, marche au rythme de l'Éternel. Donc, la foi, non, ça fonctionne quand tu es patient. Toi, tu peux te faire les choses, tu n'es pas patient, tu veux que Dieu fasse les choses dans ta vie. Il faut oser. Continue. Aussi, sois patient. Amen. Troisième, la parole de Dieu. Romains 10, 17, Hébreux 4, 12. Tout à l'heure, j'ai parlé à un point là-bas, disons que l'application de la parole de Dieu. C'est ça, la parole de Dieu. Quand tu as la foi là, il faut toujours regarder à la parole de Dieu. Toujours regarder à ce que Dieu dit. Amen. On va prendre Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus, de Christ. Amen. Ça vient de la parole de Dieu. Donc, quand tu dis que tu es chrétien, tu as la foi, mais jamais tu regardes à la parole de Dieu. Jamais tu mérites ta parole. Jamais tu ne pries, tu n'as pas de prière. Prie avec la parole. Tu veux que cette foi se manifeste comment? Tu ne médites pas. Tu ne regardes pas. Il faut prendre Hébreux 4, verset 12. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Du cœur. C'est la parole de Dieu, tout tranchant, qu'une épée à deux tranchants. Donc la parole, c'est une puissance. Amen. Elle juge les sentiments. Donc par la parole de Dieu, pour que ta foi puisse marcher, dis, j'ai la foi, je veux que mes prières soient authentiques. Je veux que telle chose soit palpable. C'est ça. Tu parles d'audace, oui, il faut oser. Tu parles de quoi encore? De patience, il faut patienter. Mais ta parole, la parole de Dieu. Quand tu pries, Seigneur, ta parole, n'est-ce pas tant, comme je l'ai dit? C'est ça. Pour que ta foi puisse marcher là, il faut ça. Toi, enfant de Dieu, revenons à la Bible, à la parole de Dieu. Amen. Quatrième point, l'amour. Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, dans ces trois choses demeurent la foi d'espérance. Et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. C'est-à-dire que la foi, l'espérance, la charité, les trois choses. La plus grande quoi? C'est l'amour. Donc quand tu as l'amour, tu as la foi, tu as l'amour, c'est... Prenons l'exemple d'Abraham. Souvent, c'est l'homme de Dieu nous a donné... Le conseil dit, quand tu lis la Bible,
faut la méditer. Ça veut dire que quoi? Que tel tu as lu là, comme tu penses un peu, ton imagination, on dit Jésus a marché sur l'eau. Quand tu penses l'eau là, comment l'eau a été? Tu as eu non? C'est un truc comme ça. Donc ici, quand il y a parlé d'Abraham et puis Lot, c'est pas amour pour Dieu que Abraham a fait ça. La Bible déclare que quand Dieu a dit Abraham, c'est pas toi de Lot qui devait se séparer de Lot. La Bible déclare que salut le grand ou bien il peut dire petit va ici. La Bible dit qu'il a laissé le petit choisi. C'est l'amour qui fait ça. C'est comme quelqu'un, il est parti payer habit. Peut-être il a même formé son frère, mais c'est son petit frère quand même. Mais il vient, il dépose. Il dit, petit frère, prends. Il dit, prends, il prend, prends. C'est l'amour qui fait ça. Tu vois quelqu'un qui finit, de prendre les biens zozo, et puis les déchirer, tu dis, tiens. Non. Amen. Elle déclare que Abraham même est incarné, tout ça. Donc l'amour fait marcher, fonctionner ta foi. L'audace, la patience, la parole de Dieu, et puis l'amour. Tu t'appliques ces choses-là. Tu as voix quand tu vas prier. Tu as voix même tes prières même là. Dieu peut te dire, tant, il a fait tel truc pour toi. Et ça fait marcher ta foi. Pour que ta foi soit authentique. Amen. Dernier point. Si j'ai mis ne jamais s'inspirer ailleurs ou ne jamais avoir d'autres sources de provision à part Dieu. C'est-à-dire quoi? À part Dieu là, il ne faut pas regarder à autre chose. Amen. Tant que tu sais, tu dis, tu t'as prié, tu cries dans la rue, wow, Jésus guérit. Mais Jésus fait telle chose. Mais à la maison là, il y a l'esprit qui fait, toi-même tu vois que tu n'es pas, quand on prend la parole de Dieu là, quand on compare là, c'est pas conforme. Amen. Il y a les certaines choses là. Ça peut pas, tu ne peux pas manifester ça, tu ne peux pas voir ça. Amen. Ça fait que la foi, tu dis ta foi là, tu vois, c'est que ça ne peut pas se manifester. Donc il ne faut pas tirer inspiration quelque part. Le parti évangélisé. Moi, le frère Timothée, on parlait avec un jeune. Quand on leur parle, ils mettent ici. On leur parle de Jésus, ils mettent ici. On leur parle de cet esprit, ils mettent ici. Et puis Timothée a posé une question. Donc, quand tu vas à l'église, donc d'où tu tires ton inspiration? Lui dit, il s'en a tapé belé. Jésus. Un chrétien, il s'en a tapé belé. Donc quand il monte à la chair comme ça là, donc c'est comme si lui là, c'est la foi. Il vient parce qu'il ne sait pas si c'est bien parler. Il veut servir Dieu, il veut bien s'exprimer. C'est ça. Et tu lui là, c'est belé. Lui vient, il se met zo quand il rentre comme ça là. Quand il prie comme ça là, il a inspiré. Lui, c'est pas cet esprit, hein. Donc lui, sa source d'inspiration là, c'est belé. Koutoukou. Amen. Donc tu vois, il y a certaines choses là. Il ne peut pas voir ça. Tu vas voir ce genre de personnes là. Si Dieu ne l'a pas visité pour qu'il se transforme, fait des années, sont les, pour finir ces hommes qui deviennent des mamaïs pour finir. Donc faut pas regarder à quelque chose là-bas. Tu viens, avant de monter sur la chaise, tu as peut-être là, regarder la chose là. Toucher, tu mets dans ta bouche. Non, non, non. La foi ne peut pas fonctionner comme ça. Donc faut pas regarder ailleurs, faut regarder qu'à Dieu. Amen. Psaume 34, verset 6, 7. Psaume 102, verset 2. Amen. Tu vas te tenir debout et tu vas ovationner ton Créateur. Dis merci à Dieu. Ce message, tiens-toi debout. Ici, prends fin ce message. Au nom de Jésus. Acclame encore ton Créateur. Acclame encore ton Dieu en ce jour. Ce message qui donne à son peuple, donne à ses fils, donne à ses filles pour toucher la tête dans le monde entier. Au nom de Jésus. Amen.
D'abord, on va prier un peu. On va donner un cantique d'abord de pardon. Amen. Souvent, Dieu t'a dit des choses, tu as murmuré. Ou souvent, tu as. Il y a quelque chose, un jour, c'était chaud. Tu vas tirer inspiration quelque part là-bas. Amen. Voilà, donc tout cela, tu as demandé pardon à Dieu. Amen. Tout ça, tu te plus, tu murmures. Elle déclare que les enfants d'Israël, ils ont murmuré contre Dieu. Quand tu murmures, il y a des choses, ça ne peut pas marcher dans ta vie. Quand tu murmures, si tu veux prier, Dieu ne peut pas t'exaucer. Amen. Donc tu vas demander, après ce cantique, d'abord prends une position d'humilité et chante ce cantique avec ses soeurs. La même personne, pardonne-moi, yeah. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je ne veux plus être la même personne, pardonne-moi, oh, pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, oh pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus être, je ne veux plus être la même personne. Pardonne, oh oui, je ne veux plus, je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi. Amen. Bien-aimé, demande pardon à Dieu pour tes fautes et transgressions. Prie pour toi. Père éternel, Dieu tout-puissant, tu connais ma vie mieux que quiconque. Seigneur, ce que j'ai fait dans le secret, tu le vois. Seigneur, ça fait que depuis des années, des choses que je devais avoir depuis longtemps, Seigneur, ces choses tardent, papa. Père, je te demande encore pardon en ce jour. Seigneur, ô Père, miséricorde au maître de l'univers et pitié de mon être entier, de mon corps, de mon âme ainsi que de mon esprit. Quand j'ai péché contre toi, Seigneur, j'ai murmuré plusieurs fois. Seigneur, ô Papa, contre tes frères, contre ton oint, j'ai murmuré que tu n'es tes Père, ô contre ta servante, contre ton serviteur, mais contre mes frères et sœurs, je demande pardon. Seigneur, pitié, tu n'es Dieu remonté, papa. Miséricorde, tu n'es Dieu remonté. L'autorité établie, oh papa. Je l'ai dénigré et tu n'es Dieu remonté. Mon père, ce que ma mère, tu n'es au roi de gloire. Seigneur, j'ai fait des choses à toi, Dieu remonté. L'iniquité, l'impudicité, le mensonge, oh papa. Ce qui a ralenti, tu n'es Dieu remonté, oh papa. Et ce qui a fait que tu n'es Dieu remonté. Seigneur, ma foi ne peut pas, oh Dieu remonté, oh père. Se manifester. Seigneur, pardonne-moi, papa. Au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus qui te lave et te purifie. Au nom de Jésus. Seigneur, ton sang me lave en ce jour. Quand tu as dit par ton sang, nous sommes purifiés ainsi que justifiés. Par ton sang, nous sommes blanchis. Seigneur, noir et tenu de remonté, qu'on était, notre corps ainsi que notre âme, esprit. Ton sang nous blanchit, nous rend plus blanc. Comme la neige, c'est ce que la laine est tenu de remonté. Seigneur, que ton sang nous justifie, nous l'avons ce jour. Au nom puissant de Jésus, tiens-toi debout. Dispose-toi pour réclamer par ce cantique l'esprit de Jésus. Ouvre ta main vers les cieux. Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit, viens. Viens où t'es, Saint-Esprit, viens, tes eaux, Saint-Esprit, viens, viens où t'es, Saint-Esprit, viens, tu as été promis. Yeah.
il s'appelle le paraclet. Il s'appelle l'esprit de Jésus. Il réclame sa présence. Et pendant que tu l'appelles, dis de venir te communiquer, te donner le ton de foi, l'esprit de foi. Appelle-le en ce jour. Réclame-le, réclame-le, réclame-le. Au nom de Jésus. Dis à l'esprit de Dieu que tu es un homme, une femme, que te courage très vite, qui vient te donner son vêtement, qui te revêtit en ce jour de son manteau, de son manteau de foi, de son manteau. Lève la voix et appelle-le. Il s'appelle le paraclet, le Saint-Esprit. Père, nous t'appelons au Papa, te réclamant ce jour. Seigneur, nous voulons être des hommes, des femmes de foi, des hommes, des femmes authentiques, Père, qui parlent et Dieu le monté. Et la chose vient à l'existence. Que vous êtes Dieu le monté, nous te réclamons en ce jour. Habite nos corps, âme et esprit. Mais nous remplis en ce jour. Connecte-nous à ton esprit. Connecte-nous à toi, paraclet. Nous avons besoin de toi. Nous réclamons le don de foi. Le don de foi. Je donne l'esprit de foi au nom puissant de Jésus. Nous voulons être des hommes, des femmes et des Dieu le monté. Comme Abraham, puisque Abraham c'est le père. Des hommes comme Daniel, puisque Daniel. Des hommes comme Moïse, puisque Moïse. Des hommes comme Josué. Des hommes et des Dieu le monté. Il est réclamé la demande. Mais connecte-nous à ton esprit. Des hommes et des femmes de foi. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Premier, tu vas prier. On va faire deux sujets de prière. La première, on va prier pour son oint. D'abord sur la base des psaumes 105, verset 15. Amen. L'église d'une même voix. On va prier, on va dire à Dieu. Lui-même l'a dit que sa parole, il regarde et il l'accomplit. Amen. On va dire à Dieu si cette parole est de lui, vient de lui, qui dit que ne touchez pas à mes oints. Ne faites point de mal à mes prophètes. Que Dieu maintenant parle en faveur de son oint. Que Dieu maintenant, tous ceux qui ont compliqué son oint, que Dieu maintenant les mette maintenant à nu au nom puissant de Jésus. Lève la voix et parle. Prie au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout puissant. En ce jour, je me tiens dans ton sang. Et je viens que Dieu le monte d'une même voix unie. À celle de l'église, que Dieu le monte, Père. Sur la base des psaumes 105, verset 15, que Dieu le monte. Tu as dit, Père, que Dieu le monte, Papa, Père. Ne touchez pas à mes oeufs. Oh, ne touchez pas à mes oeufs. Tes oeufs sont des hommes et touchent, Père. Cette parole, Seigneur, est de toi. Cette parole est de toi. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Nous te prions en ce jour. Dieu de gloire, Dieu puissant, agis en ce jour en faveur de ton oeil. Tous ceux, quelle que soit la personne, si c'est une autorité, si c'est un roi, si c'est un président, Père, si c'est un homme de la volonté, Père. Personne si ce père qui est la base, où c'est un homme de Dieu, le pasteur qui est de la montée, nous te prions en ce jour, en même temps, justice de Père, parler en faveur de ton ouais, au nom de Jésus, maintenant même, ainsi puissamment, maintenant même, ainsi puissamment, maintenant même, ainsi puissamment, au nom de Jésus, en faveur de ton ouais, Père, nous prions qui la base, la parole de foi, nous déclarons que ce mois ne finisse pas sur le Père et ton Saint-Esprit, Père, soit libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus, ainsi puissamment, Père éternel, merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Ce passage, je vais d'abord lire ce passage et on va prier avec. Deux chroniques. 20. Et c'est 20. Le lendemain, il s'est mis en marche du grand matin dans le désert de Tekoa. À le départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Amen. On va prier dans notre nation. Tu
sorti là-bas de cette parole. Tous ceux de la tête, président, autorité, ivoirien, étranger, tous ceux qui habitent notre nation, tous ceux qui se sont confiés réellement à Dieu, que Dieu les épargne de tout projet de Satan et de tout vent de l'éternel qui va souffler dans notre nation. Qui va dire à Dieu, qui vient balayer tous ceux qui s'appuient sur des choses contraires à lui Dieu. Amen. Tu comprends un peu la prière? Ok. Tu vas dire à Dieu, sur la base de 2 Chroniques 20, verset 20, tous ceux qui croient en lui Dieu, qui se sont confiés en lui Dieu, que Dieu tende sa main sur eux. Mais tous ceux qui se retournent contre lui Dieu et qui se lèvent contre ses prophètes, tu vas dire à Dieu que Dieu les balaie maintenant au nom puissant de Dieu. Là, on va prier au nom de Jésus. Père éternel, en ce jour, je me tiens encore dans ton sang et je vais prier sur la base de 2 Chroniques 20, verset 20. Seigneur, tu as dit, éternel Dieu, le monté. Un peuple qui se confie en toi, cela sera affermi. Ils seront, éternel Dieu, le monté, Père. Forcé, éternel Dieu, le monté. Seront basés, éternel Dieu, le monté. Merci, Père. Tout ivoirien, autorité en cette nation, au Père, qui obéit à ta voix, mais qui regarde qu'à toi, Seigneur Père, qui obéit, Seigneur Père, à la lettre, à tes serviteurs. Préserve-les, Seigneur Père, notamment, Seigneur Père. Et nous déclarons, tout roi, tout président, tout ivoirien, maître de la bataille, tout étranger, qui se sont levés contre l'église, pour les frères, parlez-les, avant de tous, au nom puissant de Seigneur Père, avant ton feu, la souffler, et tous, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de ce Père, agis puissamment. Merci Père parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame encore le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé pour ce qu'il accorde à son Église et ce qu'à ses fils et à ses filles au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas reprendre ta place et on va prendre la méditation la semaine. Méditation de la semaine. Romains 10, 2 Pierre 1, Jacques 1 et Jacques 5, 2 Corinthiens 5. Hébreux 11, Luc 7, Exode 14, Jean 20, 1, Romains 10, 2 Pierre 1, Jacques 1, Jacques 5, 2 Corinthiens 5, Hébreux 11, Luc 7, Exode 14, Jean 20. Psaume de la semaine, psaume 37. Une fois matin, une fois midi, une fois le soir. Psaume 37, 3 et 7. Amen. Romains 10, 2 Pierre 1, Jacques 1, Jacques 5, 2 Corinthiens 5, Hébreux 11, Luc 7, Exode 14, Jean 20. Ok, tu vas prendre ton offrande que tu as prévue. Ce culte. Tu vas dire à Dieu, quand ce jour, on a prêché sur la foi. On a pris l'exemple dans la Bible. Des hommes de foi. Par ton offrande, tu vas dire à Dieu, l'esprit de foi. De peut-être qui était sur Abraham. Sur la base de cette offrande, je reçois cela au nom de Jésus. Amen. Prends ton offrande et prie. Réclame l'esprit de foi au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Et lève ton offrande. Et prie au nom de Jésus.
Père éternel, en ce jour, je viens au nom puissant de Jésus. Seigneur, par cette offrande au nom de ce que je tiens, Seigneur, scelle sur ma vie. Esprit de foi qui était sur Abraham au nom puissant de Jésus. Aussi, si Jésus maintenant, je reçois cela au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Tu peux me donner ton offrande au nom de Jésus. Jésus m'aime aussi. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Je le sais. J'ai retrouvé mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher. Tous ces jaloux, cela dit, tous ces sorciers, cela dit, tous ces mablaouins, cela dit, c'est... oh non, 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 yeah, 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 oh, 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 ah, rien de ne, ah, rien de ne, ah, rien de ne, ah, rien de ne, tigela, tuga, 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 tuga. Tu vas prendre ta dîme et tu vas te lever. Tu vas répéter après moi. Tiens-toi debout. Et lève ta dîme. Dis Père éternel, je te présente en ce jour ma dîme. Bénis et sanctifie-la au nom de Jésus. Éternel, Dieu véritable, en ce jour, je plonge cette dîme dans ton sang au nom de Jésus. Et je déclare que toute grâce, toute bénédiction rattachée à cette dîme, je la reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout dévoreur qui se lèvera contre mes activités, contre ma dîme, que les quatre vents viennent les balayer, viennent les terrasser. Au nom de Jésus, j'attire des quatre coins de la terre toute bénédiction, toute grâce sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je me dispose-toi. Père éternel, voici la dîme que tes fils, tes filles t'ont apportée. Sanctifie-les, bénis-les. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton esprit passe maintenant et saisit maintenant les dîmes. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen, amen, amen. L'Éternel c'est délit, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance où oui, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Oh, il agira. Jésus agira.
te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel. Mets ta confiance en lui, il agira. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a action de grâce. Donc toi, tu as voyé une action de grâce. Viens devant l'autel, on va prier ensemble. When lion on sea, on the lion on sea. When lion on sea, on the lion on sea. On the way on sea, we lie on sea. On the way on sea, on the way on sea. Amen. Bon, ceux qui n'étaient pas au courant des offrandes d'action de grâce, dimanche prochain, vous pouvez apporter. Ok. Répète après moi, dis Seigneur, Dieu de gloire, ta grâce et ta faveur s'est manifestée à mon endroit. Tu as pourvu à mes besoins. Tu as veillé sur moi, sur ma maison, sur ma famille. Père éternel, je te prie, mets des cieux et la terre. Je bénis encore ton nom, ta grâce que tu m'as accordée en t'apportant. En t'apportant mon offrande d'action de grâce au nom de Jésus. En ce deuxième mois de cette année, Père éternel, tel tes souvenirs de moi, je t'apporte en retour mon offrande d'action de grâce. Bénis-les et sanctifie-les au nom de Jésus. Et j'ai pris pour t'apporter, Père éternel, que jamais je ne manque de rien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu peux déposer cela. Amen. Bon, on a fini le culte. Il y a une nouvelle personne. Si y a une nouvelle personne, ta première fois de faire le culte avec nous, le dimanche. Tu as été là les autres jours, mais dimanche, si c'est ton premier jour de culte avec nous en ce jour, lève-toi. Ok. Ouvrez les mains, fermez les yeux et priez pour vous. Père éternel, voici tes fils ici présents. Seigneur, en venant en ce lieu, ce n'est pas un homme qui sont venus voir. Mais c'est au contraire, c'est toi au travers d'une personne. Père, que la grâce, la faveur qui est attachée à ce temps, en ce jour de grâce, à cette faveur, s'attache à leur corps, âme et esprit. Seigneur, je prie que tels qui sont venus, qui ne répartent pas comme ça, mais répartent avec tes témoignages à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen. Bon, après la main finale, voilà, il y a l'eau et on va vous donner quelque chose à boire et à manger. Donc, vous attendez au moins 5 minutes. Alors, au plus. Ok, bon, à tout à l'heure. Mais si vous pouvez boire l'eau aussi, l'eau est gratuite. C'est juste dehors. Amen. Ok, on va se tenir tous debout. Je pense qu'on a fini. Hein. Amen. Dis merci à Dieu pour ce temps de grâce et jour de sabbat qu'il a béni, il a mis à part pour nous en ce jour, au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons encore merci pour ce que tu as fait pour tes fils, tes filles en ce jour.
Seigneur, merci encore pour ton peuple que tu bénis et tu continues de bénir d'avance. Merci encore, éternel Dieu de bonté, pour tout ce que tu fais pour nous, pour le message que tu nous as donné. Je te remercie encore de ce que Père, tu viens encore te révéler à nous, éternel Dieu de bonté. Quand tu aimes ton peuple, tu aimes tes enfants, éternel Dieu de bonté, Père. Ton peuple que tu aimes tant, Seigneur Père. Donc, nuit et jour, Seigneur, tu viens te révéler, Seigneur Père, à ce peuple, éternel Dieu de bonté. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce jeu de grâce. Que tout bénédiction, toute grâce qui est rattachée à ce temps. Au nom du Seigneur Père, il déclare que nous recevons cela doublement au nom de Jésus. Toute bénédiction, éternel Dieu de bonté, Père, attachée à l'église en ce jour, Seigneur Père. Nous déclarons, nous proclamons que, Seigneur Père, l'église, Christ, famille, ministre, Seigneur Père, la reçoit cela doublement au nom de Jésus. Amen. Étends ta main sur ta tête et couvre-toi du manteau. Cet esprit invisible, Seigneur, je me couvre ton manteau. Je déclare désormais invisible, invincible aux yeux de Satan et ses démons. Au nom de Jésus, que tout projet de Satan contre ma vie, contre ma maison, contre mes frères et soeurs, contre l'église, Seigneur Père, je déclare cela nul et sans avenir au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Ouvre ta main et tu vas prier avec moi. Dis, éternel Dieu véritable, en ce jour, je viens encore te dire merci. Ta grâce que tu m'as accordée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te confie cette semaine à venir. Au nom de Jésus, en particulier, ce lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir, au nom de Jésus, que les sept jours à venir soient des jours de grâce, de faveur, de témoignage sur ma vie, sur ma maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que cette semaine, Tu envoies sur ma vie, par les quatre vents, les grâces, les bénédictions sur ma maison et sur ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout projet de Satan contre ma vie, programmé sur ma famille, sur mon église, soit de nul et sans effet, au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux que Satan et ses agents ont mis à part pour me nuire, Père éternel, je déclare qu'en cette semaine, je suis invisible, invincible à leurs yeux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que tous ceux, Jésus, tu as mis à part pour me bénir, quand ils vont m'appeler, quand ils vont chercher à me rencontrer, qu'il me rencontre, que le réseau soit favorable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va faire le lien d'amour. Amen. Amen. Ok, une information qui m'a échappé. Amen. Ce jeudi. À partir de ce jeudi jusqu'à dimanche, il est entré au camp. Voilà, toi tu vis les échecs répétés, tu vis des blocages, des choses, tu vois, depuis tout tourne, ça ne va pas. Jeudi, on t'attend ici. Le camp est ouvert de 18h à 22h. À partir de minuit, le camp commence. Amen. Jusqu'au dimanche après le culte. Amen. Donc jeudi, on vous attend. Donc on a jeudi. Ok. Lien d'amour. 3, 2, 1, 0. Nous sommes un dans un lien amour. Nous sommes un dans un lien. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien. Jésus. Amen, amen. Vous avez la main sur le cœur. Le sujet de la semaine, c'est on va rendons grâce à Dieu pour l'esprit de crainte de Dieu qu'il accorde à la Côte d'Ivoire à nouveau au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu pour l'esprit de crainte de Dieu qu'il accorde à la Côte d'Ivoire à nouveau au nom suprême de Jésus. Prie au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons pour ta grâce que tu nous accordes en ce jour. À notre nation,
à tous ceux qui y habitent paix. Seigneur, nous venons en ce jour au devant de toi. Bénis ton Saint-Nom, tiens toute la gloire de ce que tu visites à nouveau notre nation. Tu visites à nouveau chaque Ivoirien. Tu visites à nouveau chaque humain qui habite ce territoire. Seigneur Ivoirien, ce que Père, tu accordes l'esprit de crainte de Dieu à tout un chacun. Afin que nous revenions à nouveau à toi. Afin que notre nation t'appartienne à nouveau. Afin que l'Ivoirien t'appartienne à nouveau. Merci de nous accorder cela au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. On va faire le psaume 23. Ferme tes yeux, ouvre tes mains. 3, 2, 1, 0, on y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Faire poser dans le pâturage. À cause de son nom. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Reste vraiment une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habite dans mes ténèbres jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Paix et grâce, faveur illimitée, sur vous, au nom puissant de Jésus. Un beau témoignage, 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 au nom puissant de Jésus. Que là où partez, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'accompagnes au nom de Jésus. Amen.